Qu'on fait là? Là, on est en train de chercher Laura. Laura, pardon. Oh, il est emmerdant, il va pas se tenir. Regarde, Owen. Oh, il a rien du tout. Ça m'a super. Bouge pas. Non, non, il est parfaitement bien centré. Voilà. Son champ magnétique, voilà, son enveloppe corporelle arrive là. Lui, il est parfaitement centré. S'il avait un problème, qu'est-ce qu'on ferait? Ah ben, on peut le recadrer, mais là, il n'y a pas besoin de le recadrer, parce qu'il est. Il y a d'aplomb, il n'y a rien au niveau de la tête. Je pensais qu'il y avait un peu de jeu, mais il n'y en a pas. Légèrement. Bah, le recadrer, c'est simple. Hein. Il faut le taper dans le sens où elle s'évacue et recentrer dans, par rapport c'est à... C'est-à-dire si Laura... Si elle vire à gauche, par exemple, il faut serrer le côté gauche pour qu'elle se recentre par rapport à son médian. Et pourquoi Laura est décalée? Alors pourquoi? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est de naissance? Non, ou est-ce que ça se décale? Non, il se décale parce qu'il a un problème de santé. J'ai constaté sur des personnes que leur champ magnétique était dévié parce qu'ils étaient souvent en dépression nerveuse. Son aura est déviée. La personne peut être dépressive, plus ou moins, sans s'en rendre compte. Et malheureusement, bah, ça lui entraîne une déviance de l'aura. Est-ce que c'est si problématique d'avoir une aura déviée? Alors, est-ce qu'on règle le problème en recadrant la personne qui est décalée? Ça reste à démontrer, à écouter les patients, si j'ose dire. Si elle est déviée, quand on la ressent, elle prétend être mieux. Comment tu as découvert la sourcerie? Oh, tout à fait par hasard. J'étais encore jeune, environ une huitaine d'années. Et dans les campagnes profondes de la France de cette époque, dans les années 50, on voyait des choses bizarres. Et là, ce jour-là, je vois un homme avec un pendule, mais le pendule, c'était sa montre à gousset. Et il circulait dans son pré. Et il est vrai qu'au mois de juillet, pour donner à boire aux bêtes, le minimum, c'est de trouver des sources. Et donc, je l'observais depuis un moment, et c'est de là qu'il m'a dit « Dis donc, petit, ça t'intéresse ce que je fais, là ?» Et je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Ben, peut-être. Et c'est de là qu'il m'a mis le pied à l'étrier, en me coupant une branche de coudrier, et en prospectant le terrain. Effectivement, alors là, j'ai découvert que des champs magnétiques, enfin, plutôt une attirance de cette branche, sur le terrain qui s'actionnait. Donc, ça a été le début de ma carrière de sourcier. Voilà. C'était il y a... Ben, j'avais une huitaine d'années, hein. Ça fait quand même... près de plus de 60, 65 ans, même voire presque 70 ans. Hein. Donc, à l'époque, c'est vrai que c'était quand même... courant dans la culture du paysan, c'est-à-dire de chercher des sources nouvelles pour pouvoir alimenter leurs bêtes par nécessité, parce que les étés étaient secs, et donc ça permettait d'alimenter le bétail. Voilà, parce qu'on n'avait pas l'eau courante à l'époque dans les domaines, donc c'était une façon comme une autre de pouvoir alimenter les bêtes. Voilà. C'est tout? Oui. Pour le moment. Bah, c'est les pieds à l'étrier, quoi. C'est de là où est partie cette longue aventure qui a été la radiesthésie qui m'a ouvert des portes, au départ sur l'eau et ensuite pour d'autres choses. Voilà. Avec une tranche de coudrier qui permet de détecter les champs magnétiques provoqués par la friction de l'eau contre les parois. Qui émet des fréquences, et ces fréquences sont perceptibles par le sensoriel, par la sensibilité humaine. L'Oncle du laiton, qui était à l'époque en ouestier, plus vulgairement appelé coudrier. C'est pas le coup que je retrouve, c'est un champ magnétique qui apparaît voilà, au moment du contact avec la ligne de passage. Je peux détecter, le puits peut être à n'importe quel niveau. Vous voyez, hop, le puits. Du moins la source, elle passe ici. Elle se définit en principe par sept lignes parallèles dont la première et l'axe de la source correspond à la profondeur, c'est empirique, correspond à la profondeur du puits. Donc si je dis que la source étant ici, je vais aller chercher la première ligne. Voilà,
on va la repérer, c'est cette, voilà, c'est cette borne. Et je dois compter environ 7 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la 7e qui est là. Alors voilà, ça correspond à cette distance. C'est comme une ligne d'écho, tu lances un caillou dans l'eau, elle a des ondes. Sur le terrain, elle s'arrête à 7. Donc cette distance correspond à la profondeur. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres et 6 mètres. Voilà. On peut dire que la source se trouve à 6 mètres. Quels sont les renseignements que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se tenter à la sorcellerie? Alors, c'est des solutions bien simples. De trouver dans un arbre de préférence un noisetier, c'est ce qui va du mieux, et récupérer une branche qui forme un Y, la branche principale plus une jeune branche, ce qui permet de prendre les deux branches dans les poignets et la tenir en équilibre instable, c'est-à-dire à la horizontale. Le plus facile, c'est un tuyau d'arrosage, le mettre en travers d'un jardin ou d'une cour, ouvrir l'eau, faire un passage avec la baguette en perpendiculaire, fermer l'eau et refaire le test alors que l'eau ne circule plus pour voir la différence. Et si la perception est possible, même un minimum, qui par la suite se développera, qui prendra de l'ampleur, mais déjà d'entrée, il doit y avoir des signes avant-coureurs et des appels. Donc, il faut absolument pratiquer avec la baguette, avec cette branche en question, en forme de Y, qui permettra, en tenant les poignets, les mains toujours tournées vers le ciel, serrer la baguette et passer à plusieurs reprises. Voilà. Jusqu'à ressentir des effets. Des petits effets, comme si vous étiez attiré par du magnétisme, tout simplement. Oui, mais ça ne va pas marcher en deux secondes. Il faut quand même un peu de pratique, un petit peu de lâcher prise. Là, il faut d'abord une forte concentration quand on n'a pas l'habitude, mais si la personne a de la sensibilité, au premier abord, elle ressentira des effets magnétiques. La baguette automatiquement va plonger vers le bas ou vers le haut, suivant la polarité. Est-ce que ça fonctionne sur de l'eau stagnante? Non. Sur un verre d'eau, par non. exemple? Non, il faut que l'eau soit en mouvement, c'est le seul moyen pour pouvoir émettre des fréquences. Donc si l'eau est en circulation, émet des fréquences, alors que si elle est stagnante, elle est statique, elle ne provoque absolument rien. On va chercher la ligne de vie de l'arbre. Donc je prends un point quelconque. Je fais le périmètre de l'arbre. Je cherche la ligne de vie. Voilà. Et voilà, la ligne de vie ici. Elle est représentée. Et puis on la retrouve ici par les verrues qu'elle possède. On voilà. les voit. Et on voit une veine. On voit une veine, et quand tu la prends face au soleil, tu vois la veine de vie. Donc c'est sa ligne de vie est ici. Voilà. Toute végétation a le même système de vie. Et cette ligne qui permet d'alimenter en partant du terrain, du sol, pour aller jusqu'à la cime de l'arbre. Ah oui, le hasard a bien fait des choses. Ils sont tournés du même côté. Bah, tiens, là, elle est plein sud. Elle est là. D'ailleurs, on voit bien la déformation ici. Hein, toi, regarde. C'est net. Hein. C'est comme une veine. On voit les aspérités du tronc. Et c'est ça qui le, voilà. C'est ça qui lui permet de vivre. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que la sève de l'arbre, elle passe là-dedans? Oui, la sève de l'arbre. C'est pas la sève, c'est son énergie qui lui permet de vivre. C'est tout. D'accord? Et donc ça part depuis la racine, il va chercher son énergie dans le sol. Bon, alors maintenant qu'on sait qu'on a une ligne de vie, à quoi ça nous sert? Éventuellement, si on ceinture un arbre, quand on peut, si on a les bras assez grands, il fait de faire ça, on décharge tout le négatif. Sur la ligne de vie? Oui. Bah, si tu peux arriver à ceinturer l'arbre, t'as pas besoin. Plaque bien, compte. Voilà. Voilà. Combien de temps? C'est en fonction du ressenti, hein. Tes mains bien à plat. Il en a de l'énergie celui-là. Ben, il peut rééquilibrer ton énergie, oui. Autant t'en enlever du négatif que du positif, mais il peut te rééquilibrer.
C'est ce qu'on fait en général quand on a des anomalies, ce qui est appelé vulgairement pitée. Effectivement, on les met tout de suite à la tête. Mais bon, ça reste encore à démontrer sur tous les individus. Les expériences ont été tentées que sur certains, mais pas sur une majorité. Donc on ne peut pas dire que ce soit forcément efficace à 100%. Une fois, j'ai eu mal au ventre et à la tête. Je suis descendu dans mon parking et j'ai respiré de l'air. Et en rentrant chez moi, j'ai eu vachement moins mal parce que je me dis que l'air, bah, c'est un peu ce qui fait fonctionner ton corps. Un peu. Donc c'est un peu ce qui fait totalement fonctionner ton corps. L'homme avec l'arbre, parce que sans arbre, pas d'oxygène donc. Pas de vie, c'est ce qu'on vient de dire plusieurs fois. Donc je me dis que l'arbre, ça peut soigner de différentes façons, que ce soit en énergie ou en mal physique. Pas fait pour vivre dans le béton. Non, non plus. Il est fait pour vivre dans la nature. Mais bon, on voulait absolument installer du confort. Ben, on a installé, mais un peu trop à mon goût. Okay. Là c'est le centre. Ben, c'est celle qui passe sous la maison de Monique. Allez dans ce sens, comme ça. Voilà. D'accord. Donc quel est le problème avec ça? Ah oh, ben alors là. Si ça passe, je crois, notamment sous un lit, alors, dans une chambre. Quand ça c'est sous un bâtiment. Ben, il vaut mieux pas habiter dans la maison. Si on veut habiter la maison et éviter les, entre guillemets, les radiations, il faut se protéger. Et protéger le bâtiment, il y a des solutions. Mais avant de voir les solutions, quel est le problème avec ça? Tout vibre. L'individu vibre, la nature vibre. Voilà. Et donc, ces vibrations peuvent perturber l'individu. Tout dépend de la fréquence qui est utilisée par ces ondes telluriques. Si elles sont paramétrées au même niveau que l'individu qui vit à la surface, oui, lui, il va être pénalisé un jour ou l'autre. Les sources émettent des fréquences que par le frottement de l'eau sur les parois, émettent des fréquences, et ces fréquences, ben, ils sont perceptibles par l'homme. Ça déséquilibre totalement l'organisme, ce qui fait que il a de la peine à s'autogérer. Alors la plupart du temps, on a des problèmes cérébraux, c'est vrai, mais on peut aussi avoir des problèmes, le foie, le cœur, etc. Autrefois, il était nécessaire de savoir où passer les sources pour dire « on fait une bâtisse à proximité ». On n'avait pas les moyens techniques qu'on possède aujourd'hui. Donc on se servait de sources à proximité pour construire la maison. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'on a généralisé avec des moyens beaucoup plus sophistiqués, avec l'eau à domicile et sur l'évier, alors qu'à l'époque, l'eau fallait qu'elle soit dans la zone d'action du propriétaire. Voilà. Donc, mais tout ça, ça fait partie de l'évolution. On peut parler de tout ce qui a été construit en fonction des lignes telluriques. À l'époque, surtout au Moyen-Âge, on en tenait compte des champs magnétiques, étant donné que c'était des signes des divinités. Donc on pouvait se permettre de construire des édifices, souvent religieux, sur ces lignes telluriques. Puisque les églises, elles sont forcément construites sur des nœuds telluriques, avec en forme de croix, la croix divine, représentant la religion. Mais là c'est un sujet qui est encore plus vaste, parce que si on regarde les causes et les effets, on se retrouve avec des effets astro et terrestres. Il est possible que tout ce qui est... Par le biais du magnétisme naturel, que ce soit un fil conducteur, je dirais même que ce soit un fil téléphonique, qui nous apporte des choses qui sont extérieures à notre vivant, c'est-à-dire des phénomènes dits surnaturels. Et effectivement, ça a été démontré dans certains lieux. Peut-être que Lily est mort. Et donc, si on s'arrête à ces détails, effectivement, l'incidence magnétique avec ces phénomènes peut se conjuguer, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu fais? Les gens, souvent à distance, me communiquent un plan. Bon, pour l'expérience, je vais le faire à main levée et le sculpter. C'est très important, le nord magnétique, voilà. Donc, je consulte la parcelle.
Je sais déjà que c'est une maison qui fait 10 mètres par 8. Donc, je vais balayer la maison sur le terrain. Je prends le périmètre de cette maison. Tac, voilà, j'ai déjà un appel ici. Je fais le tour. Et j'ai un appel ici. Je sais donc déjà que cette maison est traversée par une ligne tellurique. Connaissant déjà cette maison, la personne qui habitait ici... Mais on est d'accord que tu n'as pas besoin de connaître la maison. Non. Voilà. Là, c'est parce que, là, sur ce coup-là, tu la connais, mais je la connais, t'as pas besoin de la connaître. Une maison qui n'est pas connue de moi, le même plan me donne les mêmes résultats. Mmh. Je confirme sur le terrain pour avoir exactement à 50 cm près la position d'une ligne tellurique. La personne a son lit ici. Les pièces de vie ou d'un canapé ou d'un fauteuil, si un canapé est situé dans cette zone, par exemple, ben oui, c'est pas bon. La télé peut être là, elle n'a rien à foutre, elle, la télé. Il vaut mieux inverser pour éviter d'être sur un axe tellurique. Et la personne en question qui était sur cette ligne, dans son lit, est restée pendant une bonne quarantaine d'années, jusqu'au jour où on lui découvre un cancer. Un cancer, c'est pas hasardeux, il a été provoqué par quelque chose. Et à partir du moment où les individus habitant dans cette demeure se plaignent de malaise, de choses anormales, devraient s'inquiéter. Souvent, le résultat est flagrant. Et donc, pour ma part, toutes les auscultations que j'ai faites sur les demeures étaient contaminées et les gens l'étaient également. Tu me fais un plan, toi, de ta maison, je vais te dire si elle est bien, ta maison. Et on est à 400 km de chez toi. Tu me fais le plan maintenant. Derrière ? Non, il est pollué, celui-là. Tu fais l'appartement comme tu le... assez grand, non ? Le soleil couchant est ici, non ? Donc le nord est là. Si tu ne me donnes pas la position exacte par rapport au nord magnétique, moi je vais trouver s'il y a un défaut, il se peut qu'il n'y ait rien, mais s'il y a un défaut, il sera situé en fonction du nord magnétique. Donc si tu me tournes la maison à l'envers, moi, la ligne elle va être à l'envers. Elle ne représentera pas le défaut sur le site. Moi je place le plan en fonction de la position. Okay. Owen connaît son appart. C'est lui qui sert d'émetteur. Lui, il transmet l'information que je vais reproduire sur son plan. Il se peut qu'il n'y ait rien. D'ailleurs, je n'ai rien senti quand tu l'as fait le tour. Parce que quand tu fais le dessin, à un moment donné, je ressens déjà avec le crayon. Et là, apparemment, je n'ai rien senti. Je vais faire la prospection. Je ne me suis jamais senti mal dans cette Bravo, ouais. Je regarde autre chose. Et quand je fais ça, tu sais ce que c'est ? Non, il n'y a rien. Parce que là, effectivement, on peut être confronté à des cheminées cosmotelluriques, puisqu'on en a parlé hier, qui peuvent être placées ici depuis des lustres. Ce n'est pas toujours déclenché par des humains, ça peut être déclenché naturellement. D'ailleurs, moi, on l'a démontré hier par des reportages qui ont été faits sur du terrain où des magnétiseurs ont bien trouvé de l'existant. Et là, la méthode manuelle ne peut pas les supprimer, ils sont existants. Mais quand c'est créé artificiellement, oui, on peut les annuler. Ça, c'est... Donc là, apparemment, la maison est saine. Donc tu ne subiras pas les aléas du magnétisme. Donc n'oubliez pas, vous avez des arbres autour de chez vous, n'hésitez pas à les côtoyer de près, ce sont vos meilleurs amis. Ces arbres-là, de toute façon, seront toujours à votre service. Alors essayez de les servir en les protégeant, en les aimant. Ces êtres, vous pouvez parfaitement leur communiquer votre gratitude, leur communiquer que des belles choses. Parce que eux, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils ne vous communiquent que de belles choses. Voilà. Donc, l'arbre est votre ami. L'arbre de vie, c'est vous. Je suis ce qu'on peut appeler le passe-partout pour ouvrir la serrure.
toutes les vibrations du terrain me perturbent. Moi, je ne pourrais pas vivre plus d'un quart d'heure sur une ligne tellurique sans que ça me chasse. Ça commence par des migraines, des envies de vomir. Donc pour moi, tout ce qui est tellurique ou autre me perturbe. Donc je ne suis pas en position de protection contre ces phénomènes. J'ai pas l'équipement adéquat. Ouais. Donc pour moi, tout ce qui est vibration est nocif. Voilà. C'est un nouveau, non? Ouais. C'est dans la tête, non? Je parle dans ma tête. C'est bizarre, je ne sais pas bouger. C'est normal. Ouais. C'est légèrement le but. Hein. Ici, c'est plus fort. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression qu'il me dit aller par là. Il fait comme ça. Écoute-le. Je sais pas si vous dites aller par là ou par là, mais à mon avis c'est par là, parce qu'il dit... Ah ben voilà. Alors c'est ce que t'as trouvé là. C'est ici. Il tourne, donc ça veut dire que c'est ici. Oui, mais tu sais pas ce que c'est. C'est la première ligne d'écoute, c'est-à-dire que c'est celle qui donne la profondeur. Cette ligne qui passe là. C'est que ça se voit, tu bouges pas le truc qui... Bah oui, il part. Vas-y, refais. Donc, ah dit, il est parti tout seul, hein. J'ai pas besoin de le faire tourner. Et en plus, tes doigts, ils le font. Vas-y, voilà quoi. Fais l'essai. On arrive à des mêmes résultats. Mais c'est plus long. Il a envie. Là. Il veut tourner, là. Il est... Non, mais pas dans ce sens, en travers. Coupe. Allez. Parce que... Hein, tu la sens. Tu la sens. Donc tu le non, mais c'est que je sens le truc qui penche. Oui, ben c'est là. Et dès que je sers un peu moins, t'as... Non, mais de toute façon, c'est une question de maîtrise. Quand j'arrive là, il le sent, mais c'est beaucoup plus long. Et là, il va sortir. Ah, bon. Bon, regarde, ça y est, plus rien. Tu vois. Donc ça c'est la première ligne d'appel, oui, tout à fait. C'est la première ligne d'appel. Mais tu vas trop vite, toi il s'emballe. Quand il commence à tourner, tu sors du champ. C'est fini, tu vois. Voilà la différence. Regarde. Tu vois. Ah, il tourne. Ah oui. Tu as cette ligne jusqu'à la source qui est le puits. Donc c'est cette ligne qui définissent la profondeur. Je vais retourner au début, on va voir. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un poteau qui donne une direction. Dans une direction? Tu regardes. Voilà, maintenant, regarde. Tu vois ce qui se passe? Oui, regarde. Et puis je recule. Non, je peux pas voir. C'est pas agréable. Hein? C'est pas agréable. Ça vient quoi? Voilà ce que t'as fait là. Tu sens? Ah, ça donne mal à la tête. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Tu vois, regarde, j'avance. Mal au ventre et mal à la tête. Oui, mais c'est ça. Regarde. Attendez, je vais y arrêter. Regardez. Moi, à la place, ça me stresse. Voilà. Et là, je vais reculer. Voilà. Ça y est, écoutez. Ça s'entend? Je vais l'arrêter. Donc qu'est-ce que tu fais en faisant ça? Hop. Voilà. Rien. Tu vas comprendre une? Voilà. T'as vu l'astuce? Tu peux le faire toi ça?
regarde. Il n'y a plus rien. Alors. Pour dire que là. Qu'est-ce que tu penses à quoi là? Tu es en train de créer donc une cheminée cosmotellurique. Le fer, moi, ça me donne mal. Eh ben arrête alors. Eh ben arrête, Owen, alors. Mais c'est petit, hein, ça va. Ouais. T'as pas la conviction, là. Non, faut que tu... T'as... Si t'as pas envie, tu le fais pas, Owen. T'as envie ou pas? Imagine le truc, ressens-le. Fais-lui prendre de la vitesse. Tu le sens, tu l'imagines? Tu le vois? À quoi ça ressemble, ouais, non, mais imagine. Ça marche pas. Ça démarre pas. Il n'y a rien. T'as pas la conviction. Pourquoi? Bah, t'as pas la... Faut visualiser. Si tu veux créer quelque chose, il faut que tu le mettes, ton cœur à l'ouvrage. Quoi. Tu dis, je veux créer une cheminée cosmotellurique, donc il faut que tu te penches sur la cheminée pour la créer. Et là, si tu fais, oh là là, qu'est-ce que je vais taper demain? Je vais manger des nouilles. Non, t'as plus d'énergie là. De la confiture ou de la purée? Oui. T'as l'air épuisé, Owen. Un peu. Ouais. Non, peut-être. On crée une colonne cosmotellurique. Ça sert tout simplement à faire respirer les effluves de la Terre. C'est une soupape qui permet d'évacuer les champs magnétiques du sol et en même temps. Il relie le cosmos. Parce qu'on est en route. Hein. Tu sens Owen ou pas? Non, c'est de la personne qui le crée. Elle tire par le haut. Elle est pas partie du bord. C'est bizarre. C'est d'un malo. Attends, bouge pas, Owen. Ça y est, j'ai le bras. Ça y est, j'ai le bras. Elle est un peu moins puissante hier. Voilà, donc elle tourne par rapport à cet axe. Elle tourne autour. Donc c'est un mètre. Donc là, c'est la partie positive pour toi. Pour moi, c'est positif. Mais là, ça pourrait être négatif pour toi, alors. Là, on est dans le négatif ici. Mais pour toi? Pour moi, c'est dans le négatif. Mais c'est peut-être positif pour nous, alors. Peut-être. Voilà, on est au bout. Voilà, on est au bout. Voilà. Ouais, là, elle est en route. Là. Donc, Owen, là, t'es pas bien. Là. Tu ouais. Peux te mettre au bout, s'il te plaît? Ça retape sur le... Ouais. Donc, mets-toi sur la partie négative pour papy. Peut-être qu'elle sera positive pour toi. Ça va mieux. Ah oui, donc ce qui est négatif pour papy est positif pour toi. Et donc Le mieux c'est que ici je respire de l'air fraîche alors qu'à l'intérieur. Peux voir. C'est exactement ça. Et pour toi, c'est pas bon alors? Non, mais quand t'es ici, c'est pas bon là. Je suis dans le positif, je me crée du négatif. À quoi ça sert de faire ça? Même si tu viens de me dire que ça crée de la respiration pour la Terre, mais ça doit bien faire des choses pour nous aussi. Oui, mais là, ça mérite de plus amples études. On en est qu'au préliminaire. Personne n'a bien travaillé encore le sujet. Et on se rend compte que l'homme est capable de créer des phénomènes magnétiques en rapport à la Terre et le cosmos. Ce qui veut dire par là que l'homme a des puissances avec lesquelles il pourrait agir. Et ici, et il a tendance à s'ignorer. Là. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'on va travailler les sujets
et on espère pouvoir obtenir des résultats satisfaisants, si bien pour l'humanité, pour la nature que pour les hommes. Là, je suis en train d'essayer de détecter la cheminée cosmotellurique qu'il a créée. Je la ressens. Je vais essayer de l'éliminer. Voilà. J'espère bien. Donc là, voilà. Là, on a bien pu voir que je la ressentais. Maintenant, mon travail, ça va être de l'éliminer. Voilà. Ah, vas-y. Si c'est possible. Maintenant que je suis sûr de l'avoir ressenti, je la ressens, je suis en train d'agir dessus. Est-ce que ça va être efficace ou pas? Je ne sais pas, c'est une expérience. Donc je suis en train de la couper. J'ai l'impression que ça marche. Ça va de mieux en mieux. Bon. Mon travail, en général, c'est le pendule. Tant qu'il tourne, c'est que je dois travailler. Tu dois arrêter. Alors maintenant, je vais contrôler si je l'ai vraiment arrêté. Je n'ai plus rien. Alors, est-ce que je me suis, moi, abrité de ça, ou est-ce que je l'ai vraiment arrêté? Je ne sais pas. Bon, bah, sinon, moi, je vais voir. Hein. Eh bien, contrôle tapis. Bien arrêté. Donc, on peut bien interagir. Oui, mais il peut rester non, des échos. Non, il reste des échos. Ouais, c'est normal. Mais elle est bien arrêtée. Donc on peut bien interagir sur le travail des autres. Ouais. Je l'ai fait pour un autre, alors c'est pour ça. On dit on peut pas, mais oui, si on peut, la preuve. Bon, après, ce qu'on se disait tout à l'heure en aparté, c'est que ces cheminées, quand on les crée, rendent mal ou malades les gens. Voilà. Les gens. Donc, on pourrait avoir des... Pour l'instant, je ne vois pas encore d'aspect positif à ces créations. Je parle pour l'homme. Pour l'homme, je ne vois pas... Parce que, si, à la rigueur, si on le crée à un endroit, si on veut du mal à quelqu'un, on peut le créer. Voilà. Oui, mais si on veut du bien, est-ce que ça sert à quelque chose, ça? Alors, on a entre le bien et le mal pour certains, et l'inverse, le bien et le mal. Tout est relatif entre... le ressenti de la cheminée et l'extrémité du bras. Mm-hmm. Alors tout ça fait un équilibre. Chose qu'il faut étudier beaucoup plus profondément pour dire... La dernière petite expérience qu'on peut faire, c'est que moi j'en crée une et tu te mets à l'endroit où on... La dernière fois, c'est... Tu as une circonférence ici d'environ 1 mètre. Un bras qui fait à peu près... Alors, il fait 20 cm le bras. Il fait 20 cm et l'extrémité. Ah, voilà l'extrémité. Titoun, tu te sens comment là? Mal au ventre, j'ai l'impression qu'on ne veut pas que je respire. D'accord. Et si tu te mets là où il est, dans le bras? Voilà. Là, c'est là l'extrémité. Ça fait un diamètre d'à peu près 50. Quoi. Là, t'as quelle impression, Chou? Bah, on me laisse encore respirer et ça va mieux. On te laisse respirer ou est-ce qu'on... Tu respires mieux? Ouais, je respire mieux. Est-ce que tu respires mieux que dans des conditions normales? Là, je respire vraiment... Mieux ou pareil? Mieux. Donc, ce qui voudrait dire qu'en gros... quand on fait ces cheminées telluriques, cosmotelluriques, au centre, c'est négatif, mais aux extrémités, ça pourrait apporter du bon aux gens. Et à tout le monde. Ouais. Eh bien, reste et dis-moi au bout d'une minute si tu te sens beaucoup mieux ou pas. L'hypophyse, comment elle se... Ça te redonne de l'énergie ou... alors que ça te pompe de l'énergie au centre, c'est ça? Un peu, c'est ça. Ça pompe de l'énergie? Mais toi, moi, physiquement, tu te sens comment? Je la sens. Je peux pas dire parce que je suis tellement habitué au fléau magnétique. Mais... Je l'arrête? Eh ben, vas-y.
ça pèse. C'est-à-dire, ça fait pas comme toi. Je sens sur la poitrine le plexus. Moi, c'est le plexus qui réagit. Moi, la seule chose qui a changé, c'est que j'ai plus mal au ventre. Sinon, c'est fini. Owen, comment tu sens? J'ai plus mal au ventre, mais non. C'est comme si je pouvais pas respirer un grand coup. À chaque fois, je suis obligé de tirer. Ouais, même là encore? Là encore? J'ai juste moins mal au ventre. Ça va, ton ventre? C'est un peu la tête, mais pas méchant. Bon. Donc, pourquoi certains peuvent arrêter? Je ne suis pas systématique, mais il y a des gens qui sont capables d'arrêter pour les autres. Ça contredit ce qui est dit. Celui qui impose, il est obligé de l'arrêter. Oui, mais là, c'est le point de vue d'une personne. Oui, là, moi, je sens plus rien. J'ai pu arrêter ce que tu as fait, tu as pu arrêter ce que j'ai fait. Oui, mais il faut savoir, la relation entre toi et moi, on est du même sang, la même famille. Est-ce qu'on ouais, a les mêmes fonctions, pouvoirs? Oui, mais... Contrairement à si c'est un étranger qui gère le truc. Oui, mais on s'est bien rendu compte que lorsqu'on était dans des endroits, on va dire, habités... Habité par des... Malfaisant, parlons d'entités, oui. Oui, bon, des entités, eh bien, tu chopais des choses que je ne chopais pas et je chopais des choses que tu ne chopais pas. Oui, donc, on n'était pas sur les mêmes fréquences. Oui, alors que là, sur ce... Sur ce point-là, oui, on est sur les mêmes fréquences. Ce phénomène tellurique, oui, effectivement, on crée des fréquences qui rapprochent un peu nos connaissances. Alors, on a peut-être des difficultés ou des... différences d'appréciation qui font dans certains domaines où on n'est pas d'accord, mais sur certains faits. Je ne sais pas si c'est pas d'accord. Je pense que toi, tu as un spectre qui n'est pas le mien et j'ai un spectre qui n'est pas le tien. Bon, alors il y a peut-être aussi l'entraînement, l'habitude qui fait que je ne réagis pas du tout pareil. Tu sens quoi? Le pire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici en tout cas. Oui, mais attends, c'est pas de dire il y a quelque chose. Parce que tu as un ressenti. Je vais te faire voir comment on fait, mon petit gamin. Tu me donnes ta main. Tiens, prends l'autre. Voilà. Là, comme ça. Tu la tiens à l'horizontale. Oui. C'est pour vrai qu'elle est déjà partie. Tu vois? Attends. Tiens bien. Mais non, mais tu la maintiens à l'horizontale. Putain, mais c'est toi qui l'as fait tourner? Non. C'est pas possible. Elle tourne toute seule. Attends, recule un peu. Je suis dans la fougère. Ouais, non, bah recule, y a rien. Ah, y a rien, c'est du bois. Attends, on va refaire. Voilà. Allez. Mais là, tu la tiens à l'horizontale comme ça. Non. Là, tu la tiens comme ça. Tiens-la. Il faut qu'elle soit toujours en vibration. Tu vois? Et pourquoi tu mets ta main? Donne-moi la main. Je suis comme toi. Allez, vas-y, avance. Avance. Pas rien non plus. Avance. Il met son bras. Garde-le là, ton bras. Là, comme ça. Comme ça à l'horizontale. Comme ça, c'est bon. Non, il n'est pas à l'horizontale. Là. Bon, bah oui, bah faut qu'on parte dans l'autre sens parce que là, on est. Oui. Voilà, allez, on y va. Vas-y. Allez, avance. Bah oui, j'avance, c'est toi qui avance. Arrête. T'as vu ce que ça fait? Mais arrête de la tourner. C'est pour moi que l'a fait tourner. Bah alors, c'est qui? C'est ça qui l'a fait tourner. Attends, on va essayer dans l'autre sens. Il y a quelque chose qui me perturbe. Bah, c'est un champ électromagnétique. Voilà. J'y connais pas. Bon, allez, on recommence. Tu ah, te moi, tiens. C'est... Tiens. Non, mais fais comme moi. Ouais, oui. Avance, tu avances. Mets-toi à la même hauteur que moi. T'es des équipes. Voilà. Allez, on avance. Là. Allez, vas-y. Ah, ça fait mal. Bah oui, parce que. À toi ce qu'elle fait. Mais c'est pas moi qui tourne pourtant. Justement, c'est pas tout. Mais t'as vu ce qui se passe, alors essaye maintenant. Comme ça. Mais va doucement, tu vas trop vite. Trop vite. Va, stationne un peu, tu. Là, stationne. T'es parti. Vas-y. Vas-y.
Bah, vas-y, toi, avance. Mais... T'as vu ce que ça fait? Attention. Tant qu'elles sont dans les terrains vagues, dans la nature, il n'y a aucun risque. Mais à partir du moment où elle apparaît sous un bâtiment, les fréquences telluriques peuvent être nocives à l'organisme. Ce qui veut dire que si le corps vibre dans les mêmes proportions que la source, l'individu risque d'être perturbé. Maladie souvent très grave, y compris cancer de, enfin, tumeur au cerveau, etc. Tout ça est lié par les vibrations, comme on l'a dans le nucléaire en général, de tout ce qui est vibration peut être dangereux. Voilà. Le signe divin, c'est quand deux intersections, deux sources se croisent à un endroit précis, et ça devient, pour les croyants, la croix du Christ. Donc voilà la raison pour laquelle on dit ici doit être construit un édifice religieux. Le nœud, c'est deux sources qui se croisent à des niveaux différents souvent, mais peu importe. Elles sont toujours, et c'est des fois même la même origine, puisque au départ d'un geyser, on a toujours cinq sources, très important. Pourquoi cinq? Comme les cinq doigts de la main. Et dans tous les cas de figure, sur une parcelle, un geyser et cinq sources en sortent de ce geyser. Et à un moment donné, avec la déclivité du terrain, les deux sources peuvent se croiser. Et c'est pour ça qu'on dit, on arrive au signe divin, intersection tellurique. Voilà. Voilà l'explication de tout ce qui a été construit là-dessus, entre les dolmens, les menhirs, etc. À partir de ces connaissances. J'irai même plus loin, puisque même les pyramides eux-mêmes sont construites sur des lignes telluriques. Donc on peut en tirer les conclusions. Les Celtes, les chrétiens, etc., eux se sont servis de la ligne continue ou de l'intersection tellurique pour définir des sites religieux. Voilà, religieux ou pas. Mais en attendant, pour l'être humain, si ces lignes sont sous un habitacle, sous une habitation diverse, que ce soit un immeuble de 15 ou 20 étages, la fréquence atteindra les sommets, c'est-à-dire au 15e étage, et on aura le risque de contaminer des individus. Nous vivons que dans des fréquences, hein, peu importe le niveau de fréquence, mais les fréquences telluriques peuvent être autant bénéfiques que négatives. Et tout ça, ça reste encore aujourd'hui à démontrer par la physique. Des gens beaucoup plus doués que moi pourront le définir. Pourquoi certaines personnes peuvent résister pour ça, c'est la complexité du corps humain.